on va fabriquer le savon. Et au bout de 24 heures, une fois qu'il est fabriqué, en fait, on le découpe et on le met en salle de cure, qui est une pièce où on vient faire sécher le savon. Une cure qui dure environ un petit mois, une trentaine de jours. Et le savon, ça se fabrique en deux étapes. On fabrique le savon et ensuite, on va intégrer ce qu'on appelle le surclassage. Souvent, on connaît le savon de Marseille, le savon d'Alep ou le savon de Castille. Ce sont les savons cuits. C'est un corps gras, de l'eau et de la soude, sauf que sur le bassin méditerranéen, c'est un savoir-faire qu'on exerce à des températures assez élevées. À haute température, on obtient souvent un savon qui fait 99% de savon et 1% de glycérine ou un glycérol, parce que c'est une glycérine qui est montée en température. Nous, ce qu'on fait ici, c'est la saponification à froid. Donc, on fait le même mélange, corps gras, eau, soude, sauf que ce mélange, nous, on ne va pas longtemps en température. Donc, en résultat de saponification, les petits restes de chimie de quatrième, les savons sur gras, on est de l'ordre de 7 à 8% de glycérine. Mais dis donc, Jamie, à quoi ça sert la glycérine ? Plus le savon contient de la glycérine, plus il va être doux pour la peau. Et le gros avantage, c'est que c'est des savons qui sont très peu agressifs pour la peau. Demain, on travaille une composition, on va saponifier olive, tournesol, coco. Et une fois qu'on aura notre pâte à savon, on va intégrer des choses qui sont plutôt agréables, de l'huile essentielle de menthe poivrée, de l'eucalyptus globulus. Quand on touche le système respiratoire, c'est très très bien. Et pour assainir et pour colorer un tout petit peu le savon, on travaille une argile verte locale. On va l'utiliser aussi pour sa fine granulométrie. En fait, elle va faire un léger gommage. J'ai le savon exfoliant pour les cuisses. Et ce qui est drôle, c'est que la vendeuse de la boutique m'a dit oh, tu vas voir, c'est un petit exfoliant, on sent presque rien, c'est vraiment tout doux. Moi, je l'ai mis sur ma peau, et ben c'est sacrément exfoliant. Donc, on n'a pas tous la même sensation par rapport à l'exfoliation. C'est vraiment bien. Ah oui, c'est vraiment bien.